Le bilan n'est pas encore précis car il s'alourdit de jour en jour. Mais au moins, une vingtaine de personnes ont perdu la vie dans l'accident d'un bus de transport en commun reliant Parakou à Cotonou dans la journée de ce dimanche 29 janvier 2023. Le bus de transport en commun de la compagnie Baobab avait à son bord une quarantaine de passagers lorsqu'il est entré en collision avec un camion, selon un communiqué de la compagnie Baobab Express. À la suite de cet incident, les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou expriment leur compassion. Imagine les âmes que ces gens-là ont déjà laissées en détresse, enfants, femmes, maris. Et vraiment, c'est un choc. C'est un choc et je souhaiterais que, à l'endroit de ces victimes-là, nous puissions avoir une pieuse pensée. Oh, c'est vraiment déplorable. Mais il paraît que c'est la pneumatique qui était défaillante. Alors par rapport à ça, il faut vraiment que le gouvernement essaye de contrôler un peu les compagnies pour que ces aspects-là puissent être pris en compte au niveau de toutes les compagnies de transport et même les taxis qui font de longues distances là, que ces aspects-là soient vraiment pris en compte. Pour ces citoyens, la compagnie Baobab Express est dans le top 10 des sociétés de transport au Bénin. Mais ils trouvent que l'État a une part de responsabilité dans les cas d'accidents que nous rencontrons. Ils l'invitent à être plus professionnel dans la prise des décisions. Ces compagnies, je pense que ces compagnies font partie des moyens de transport les plus sécurisants du Bénin. C'est arrivé parce que risque zéro, ça n'existe. C'est la preuve que risque zéro n'existe pas. Puisque avec ces compagnies, moi, je voyage en toute sécurité à chaque fois que je dois me déplacer vers le nord. Je ne compose qu'avec ces compagnies-là. Bon, c'est difficile pour moi d'apprécier de but en blanc comme ça. Mais ce que je sais, les minima de contrôle qu'il faut faire là, il faut que l'État essaye de mettre en place un mécanisme qui permet de contrôler ces minima là. Moi, je crois que il faut que désormais le ministère chargé des Transports puisse prendre ses responsabilités et contrôler un peu la manière dont ça se passe, les transports, les voyages se passent au niveau de ces compagnies de voyage. Parce que c'est des vies qui sont exposées, c'est des vies qui sont en danger. S'il est vrai que c'est un pneu qui s'est éclaté côté non chauffeur avant, nous savons tous que quand nous sommes au volant et que un pneu éclate de devant, ça nous met inévitablement dans le décor si on est à vive allure. Et ça peut aller jusqu'au tonneau à des moments donnés. Et donc, à ce niveau-là, il faut que la visite technique soit au point. La visite technique avant de démarrer un bus pour des kilomètres de ce genre, il faut la visite technique. C'est obligatoire. La forme des pneus, c'est obligatoire. La sécurité des gens qui sont à l'intérieur, hein? Les ceintures de sécurité, tout ça là, il faut vérifier. Voir aussi si le conducteur à bord du véhicule est en bon état. Parce que on ne peut pas perdre son parent de cette manière. Hein? Des gens qui devaient même descendre à Dassa. Hein? Le bus est rentré sur le territoire de Dassa et des gens n'ont pas pu se récupérer de l'incendie pour rentrer chez eux. C'est dangereux, c'est dommage que des autorités, des têtes bien faites comme ça, puissent perdre leur vie dans des accidents de ce genre. Notons que le gouvernement a mis en place des commissions de crise pour faire face à cette situation.